Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Ubucraft. Je vais faire cet épisode très spécial puisque vous le voyez sans doute, j'essaye des shaders. Là actuellement je suis sur un shader qui me permet de rester à 30 fps stable, qui est très particulier. Ceux qui connaissent les shaders s'en rendront compte. Mais qui est très clair, j'ai dû baisser la luminosité au minimum, je vous montre. Ici. Et remettre sur les shaders l'ancien éclairage, Old Lightning On. Il s'agit des shaders sans lag de Paolo. Paolo's Lagless Shaders. En version normale, pas light, parce que light c'est encore plus cheap. Et donc je crois pas même pas qu'il y ait l'eau transparente en light, elle bouge un petit peu, mais sur sa texture de base. Voilà. Je suis quand même resté dans les options vidéo en fast et en particules minimales. Et smooth lightning, je peux être même minimum aussi. Parce que ça me permet de maintenir des FPS, tout simplement. Ça fait une réelle petite différence. Sinon j'en ai plein d'autres bien entendu, on peut les passer rapidement en revue et je vais vous dire ceux que je préfère. On va commencer par les Seus. Ultimate Shader, je ne sais plus exactement. Non, je ne sais plus. Là c'est le Light. Donc qui est très classique. Je reste en éclairage minimum parce que tout est toujours très lumineux. Non, je me méfie de YouTube. Attention. Hop. On va quand même mettre plus d'éclairage. Ça n'influe pas vraiment sur le reste. On va rester à 33, enfin à peu près où j'étais. Voilà. On va faire un petit tour, notamment près de l'eau, pour avoir un reflet de ce qui se passe dans l'eau. Donc là, c'est relativement fluide, soyons clairs, mais je suis pas au taquet. Le problème, c'est que les îles au-dessus se voient, c'est trop voyant. Donc c'est des nuages, hein, je crois. Et voilà, là on a des espèces de tranches qui ne me plaisent pas beaucoup. Alors c'est du graphisme fast, mais voilà, regardez ça. C'est moche, hein, vous voyez effectivement les faces des cubes qui se gondolent. C'est pas tout à fait l'effet recherché. Alors on va rapidement, avant que le soleil ne se couche, voir la version standard. Alors tout de suite l'eau est bien plus jolie effectivement. Quand on est dedans, c'est une eau qui est transparente. Et ça me fait penser d'ailleurs au passage, j'ai récolté mon piège à poisson. Ouh! Alors, tripwire, rien de zombie, je m'en fous. String, des bottes en cuir, 64 poissons. C'est cool. Oui, je vais mourir. Je vais mourir en shader. Alors bon, voilà, donc c'est un petit peu amplifié. C'est très beau, hein. Et toujours, effectivement, ces choses. Forcément, si je me mets en fast. Hop, pardon. En fin de scie, normalement, cet effet-là devrait être, voilà, gommé. Hein, là, on s'en rend plus trop compte avec l'aspect un petit peu feuilleté, transparent du mode fast. Mais bon, c'est. Je trouve qu'il manque de couleur, bizarrement. Et je sais pas si j'aurais dû mettre de plus particules. C'est peut-être smooth lighting au maximum. Je sais pas si vraiment. Bon, après, d'un autre côté, c'est la nuit, hein, donc c'est normal que les lumières baissent et la luminosité aussi. Voyons le reste. Donc, les Seus, c'est fait. On a Sildurs, qui me plaît pas trop trop. On va enlever le Old Lightning pour l'instant. Voilà, ça c'est celui de base qui flash, hein. Alors là, on est censé être le soir. Attendez, je vérifie quand même ma montre, des fois que. Voilà, on est censé être à la nuit tombée. Écoutez, alors les îles, vous voyez, au-dessus sont beaucoup plus. Enfin, les nuages sont beaucoup plus sombres. Et un petit changement de luminosité alors que le jour se couche. C'est rosé. C'est pas énorme, hein. On va prendre de façon un petit peu du coup de hauteur. Tenez, je vais monter sur ce toit-là. Voilà. Et là, on va pouvoir voir un petit peu. Ouais, c'est très très clair, hein, pour une nuit, c'est inhabituel. Et encore,
imaginez que c'est une vidéo publiée sur YouTube, je le vois plus clair que vous ne le voyez, hein. Donc voilà, ça c'est la nuit. Bon, il y a l'éclairage partout dans le village, hein, attention. Mais voilà, regardez, vous avez ces différences de luminosité là? Ça c'est. Ça me plaît moyen. Le soleil éclaire encore trop quand on est dessus. Vous voyez? Cet éclairage dans le ciel qui change dès qu'on est effectivement face au soleil. Ça ne devrait pas être le cas, c'est même pas entièrement réaliste. Bon, voyons d'autres tant que le soleil n'est pas couché. Pas ça. Alors, basic, c'est du light, ça c'est fait, je pense. Le light, bah, il est plombé le light. Hein. Je vous montre quand même, mais voilà. Ça, non. Bien entendu, non. Alors, ensuite, ceux que je préfère quand même. Donc, je remets le Paolo Lag en light. Qui est déjà plus nuit, hein. Soyons clairs, ça fait déjà plus nuit. Il y a toujours, je crois que c'est inhérent au jeu, hein, ce truc de voir le soleil. Ah ouais, j'ai l'impression. Alors pour du laglace, je tombe à 10 FPS. Donc laglace mes fesses. Hein. On va mettre le complet, pas le light. Enfin lit. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'est à la fois des couleurs froides et trop claires. C'est. J'en suis pas fan personnellement. Alors voyons ce que je préfère, c'est les chocs à pic. Alors forcément, c'est probablement les meilleurs shaders, quasiment tout le monde le reconnaît. On va commencer par les low. Déjà rien que les low, vous allez voir, moi déjà ça me botte. Voilà. Là, on est sur des couleurs un peu plus sombres, c'est plus réaliste. Il n'y a pas le système d'ombrage ou très très peu, je crois pas du tout en light. L'eau est légèrement tremblotante. On va aller voir du côté des arbres. Aïe. Voilà, les arbres se gondolent un petit peu aussi, tranquillou. Et l'eau. Voilà. L'eau est. Oh, elle bouge violemment, je dirais. Mais bon, on va tenter une petite sortie rapidos tant qu'il n'y a pas trop de monstres. Il y a des monstres. Hop. Alors, comme je vais faire mon petit essai, je vais pas m'énerver. Alors, je vais quand même le tuer. Hop, il y en a un qui apparaît. Alors c'est pas un bug. Il y a toujours une chance quand on tue un monstre qu'un autre apparaisse. Une chance infime, mais une chance quand même. Ah oui, je peux pas prendre les viandes de zombies, mais j'en ai plein. Je vais pas me battre. Alors voilà, donc ça c'est le premier niveau des chocs à pic. Le niveau médium maintenant. Donc le niveau moyen. Il y a peut-être aussi ultra encore, je pense. Il doit y avoir mieux. Voilà. Alors, c'est plus riche, plus sombre, mais n'oubliez pas qu'on est la nuit, moi ça me va. Hein. Alors par contre, voilà, le seul problème, c'est le pointage avec ce carré blanc. Oh, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais c'est différent. On peut essayer de bidouiller un petit peu peut-être les options, notamment le All Lightning, si on le remet sur On, mais je pense pas que ça changera la sélection en carré, non, ça ne change pas. Je suis pas sûr de voir vraiment une différence énorme. Mais ça me plaît. Là, c'est la nuit, effectivement. C'est des couleurs qui sont quand même riches, qui sont un petit peu épaisses. On a l'ombrage, bien entendu, maintenant. Ça, c'est bien. On va remettre le lightning off. J'ai pas encore essayé toutes les autres options. On va essayer le high. Hop. Et donc, on est toujours à une dizaine, quinzaine de FPS. Hein. C'est pas la folie. Là, c'est très beau. Soyons clairs. Tout est très, très, très beau. Je peux jouer, moi. Je pense que pour vous, ça doit pas être infâme. Mais bon, là, je sais même pas si je peux aller dans le Nether. Hein, soyons clairs. Dans le Nether, les shaders en général sont encore un petit peu. Enfin, déconseillés. Sont pas terribles en général. Alors, on peut essayer maintenant de diminuer les options pour voir. Alors, on va se mettre en médium. Voilà. Et on va essayer d'obtenir une configuration correcte. Donc on va repartir déjà à mon avis à graphique en fast. Hein, parce que sinon c'est pas possible. Et alors regardez tout de suite la différence. On est en fast. C'est beaucoup moins moche. Alors attention, il faut que j'aille sur un arbre un peu plus. Voilà. Il n'y a plus cet effet qu'on a avec les Céus. Là c'est un archer. Il faut que je fasse attention. Là ça me va. Même en fast ça passe. On voit quand même la qualité supérieure du... Voilà, tout est jointif. Vous voyez la différence du feuillage? Un instant. Bébé. Petit bébé, barre-toi. Allez hop! Pipite, pipite. Allez. Voilà, excusez-moi, il y a ma fille qui farfouille dans mes affaires.
Donc moi j'ai bien envie de garder ceci. Voilà, le bug, ça c'est là, c'est la jointure. Mais bon, écoutez, on peut pas. Je vais me faire escargasser. Deux secondes. Eh. Non. Ici. Ah là là. Je suis désolé hein, pour cet accès de colère que vous venez d'entendre. Je viens de sermonner mon bébé très très fort. Voilà, je suis désolé, n'appelez pas les associations de parents de protection des enfants. Alors, continuons. Bon, là, je vais pas trop toucher à tout ça. Dans les vidéos settings, particules minimales, smooth lighting maximum, on va essayer de le mettre au minimum pour revenir sur les options que j'avais en fait au départ. Ça fait pas une grosse différence, c'est un peu. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Il y a un peu moins de shader, c'est sûr, quand on met moins d'éclairage, c'est normal puisqu'il joue énormément dessus, mais ça me va quand même. On va tenter de garder celui-ci et faire 2-3 trucs, mais l'épisode sera court et on va. Et on va essayer de faire 2-3 trucs comme ça. Alors, déjà, on va se débarrasser de la tonne de stuff qu'on a. Alors, nous avons du poisson, du poisson, du poisson. On est censé avoir du. Ah bah non, moi j'avais pêché de poisson. Bah écoutez, il va là. Les strings vont dans la penderie. je rigole à mort. Strip wire hook. Bon, écoute, ça va aller là. On pourra faire éventuellement des coffres piégés pour mettre des coffres côte à côte. Ça, ça, ça. On va être ici. Voilà. Et puis, ben après, il faut faire tout le reste. J'ai une chaise. Pourquoi diable ai-je une chaise dans mon inventaire? C'est une très bonne question. Excellente, cette question. Mais je n'en sais absolument rien. Alors, là-dedans, il y a tout ce que je n'ai pas cuit. Donc, le mithril et l'adamantium. L'or. Bah là, il faut que j'en cuise, parce que là, il y en a vraiment trop, trop, trop. Alors, broken tin, ici. Hop, on va faire que les stacks entiers, ce sera plus simple. Broken iron. Broken aluminium. Voilà, et puis surtout, on va, ici. Alors, ce truc gênant, c'est ça, c'est ces arbres-là qui sont tout blancs. Bon, écoutez, on va pas chier dans la semoule. Alors, je suis pas un inconditionnel du shader, hein. Il faut savoir que je le mets pour essayer. Peut-être que je vais les faire disparaître. C'est plus beau, oui, c'est plus beau, mais j'avoue que je joue pas à Minecraft pour que ça soit beau, hein. Soyons clairs. J'y joue pour tout le reste, mais pas à ça. Donc, je ne tiens pas à transformer absolument ce jeu qui a sa beauté propre, mais qui n'est pas beau au sens universel du terme, en un jeu beau. Je vois pas l'intérêt en fait. Alors, normalement, je dois avoir des pierres condensées. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas repris les épisodes. Hein, donc là, c'est vraiment un épisode de reprise qui est compliqué. J'avais pas des pierres. Bon, pas grave. Alors, maintenant, j'ai un marteau ici. Là, je suis à 30 FPS, hein, pour information, quand je bouge pas trop. J'ai pas de marteau ? Attendez. Bah, ah oui, tous mes outils sont là, oui, c'est vrai, oui, je confonds entre mes différentes parties. Donc, tout est là, hein, c'est bien normal. Alors, par contre, il est quasiment fini. Là, il est en unbreaking. On va déjà finir celui-ci, hein. Et je vais couper le son parce que il y a trop de bruit.
Alors, on va finir ce marteau. Et puis... Et je vais à nouveau couper le son. J'avais remis le son, mais j'avais rien à dire. Et surtout, à partir du moment où j'ai enfilé le casque et j'ai dit que j'étais un peu tranquille, tout le monde a commencé à faire du bruit autour de moi. Donc voilà, j'ai déjà dit plein de fois, ça va probablement faire rire tout le monde. Ma famille composée de chieurs. Voilà, je les préviens à l'avance, je me dis s'organiser. Non, 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 c'est absolument urgent à ce moment-là de faire un maximum de bruit autour de moi comme si j'étais indispensable. Voilà. Je devrais me sentir flatté, mais non. Bref, fonder une famille, qui disait. Fonder une famille. Voilà, pour ceux qui ont envie d'avoir des enfants jeunes, réfléchissez les mecs, réfléchissez. Les mecs, les petites filles, tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, discussion sans fin. La maman qui discute avec une petite fille effrontée, qui est dans la provocation. La maman répond, ce qui ne sert à rien puisque c'est la provocation. Donc forcément, il n'y a aucune solution à espérer de ce genre de dialogue, de confrontation verbale. Mais c'est pas grave, on en rajoute une couche. Comme ça, le pauvre Epicraft, il aura bien mal à la tête et un épisode complètement foireux, ça n'est qu'un de plus. Et je vais finir par louer un cybercafé pour pouvoir être tranquille et tourner les épisodes. Voilà. Alors, toujours envie de fonder une famille? Hein? C'est cool le préservatif quand on y pense, hein, finalement. C'est génial! Pilules, préservatifs, tout ça. C'est le top. Alors, je vais devoir faire cuire quand même un petit peu tout ça. Donc ça, c'est bon. Ça, ça. Ça, j'en ai plus. Ça, je peux. Voilà, j'ai ces trois trucs-là à faire cuire. Le gravier, j'imagine que j'en avais un petit peu là. C'est bien. Et encore ça. Alors... Ça du coup, stone, je sais pas quoi en faire et je pense à le mettre là parce que je veux pas le garder. Alors, zut, le truc en pierre, je l'ai. Je pensais l'avoir terminé. Bon, c'est pas grave. Voilà, et on va cuire tout ça. Si je me rappelle où est ma forge. Oh, 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 lag. Désolé. Voilà. Oui, alors je cherchais ma forge, mais elle n'est pas du tout là, elle est extérieure devant. On va déjà manger un coup, se restaurer. Et puis on va bientôt finir, hein, parce que c'est insupportable. J'ai fait en sorte que vous n'entendiez plus le son, mais voilà quoi. La douche, la porte ouverte. L'autre qui repasse à côté, la porte ouverte.
Bon, alors vous allez dire quel horrible connard, il se plaint alors que quelqu'un lui repasse ses affaires. Non, non, on repasse pas du tout mes affaires, c'était pas prévu, c'est... Vous comprendrez. C'est exprès pour faire chier. Voilà. C'est parti. Et voilà, on va faire cuire tout ça. Et je vais vous abandonner un instant pour sévir et vous faire subir un acte de violence innommable. Fermez vos oreilles, fermez vos yeux. Ça va saigner. À tout de suite. Je laisse ouvert, je laisse tourner. Voilà, ah, il y a des cloches, c'est génial, ça doit être moi la cloche. Alors, donc là on en a 36, donc divisé par 2, ça fait 18, 18 blocs, donc divisé par 3, ça fait 6, donc il faut 6 blocs d'étain. Boum, pour faire du cuivre, hein, directement. C'est bien du copper, ouais, c'est bon, c'est du cuivre. Alors, il y a encore des vilains là. Je regarde juste mon épée, ça fait un moment que... Ouais, elle est bien encore, hein. Donc, Reinforce, Writable et quête modificateur. Donc, j'ai pas encore décidé ce que je mettrai dessus. Et je vais voir les petits. Voilà, petits. C'est bizarre, j'ai comme l'impression que les graphismes sont plus flous avec le shader. Et comme c'est comment dire, un épisode d'essai, j'ai bien envie d'essayer de les enlever. On va voir. J'ai juste enlevé le shader, donc Known. Et c'est... Non, c'est parce que j'ai changé ma résolution. Voilà, au lieu de... D'accord. J'étais pas sûr. Donc là, c'est normal. Tout plat. Ça ne déplaît pas non plus. C'est très très clair, mais faut dire que moi j'ai l'habitude de jouer comme ça. C'est bizarre, attends, je ne vois aucune différence. C'est marrant, à partir du moment où j'ai changé de résolution, j'ai l'impression que je vois plus la... Video settings. Moody, brightness, sincèrement, on est d'accord, il n'y a aucune différence. C'est bizarre ça. Ah, alors là, est-ce qu'il y a un truc avec les shaders? Old lighting off, on. Je sais pas si vraiment. Là, c'est normal. J'ai l'impression que ça bouge plus, hein, qu'il faudrait que j'enlève les shaders pour que ça revienne. On va mettre à 33, on sait jamais. En fait, c'est très très clair. Non. Bon, bah écoutez, autant mettre les... Non, les médiums. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, oui, c'est pas tout ça parce que j'étais là. Ça, c'est bon. Il faudrait que je regarde plutôt par là. Ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. Pardon, pardon. Ce dont j'ai besoin, ce sont... Des plans de glowstone. Et puis, ah, l'obsidienne aussi. L'obsidienne est prête. Alors, on va récolter ça. D'abord, la glowstone. Deux plans pour l'instant. Ah, tant pis. Deux graines. Mais bon, c'est déjà un petit début. Et l'obsidienne. Ah, deux graines au lieu d'une. Bon, voilà. C'est un tout petit peu avancé. Pas beaucoup. Et on va aller récupérer le résultat de notre travail à la forge, à savoir, voilà, plein de bronze. Alors, il y en a combien? Il y en a 48. Bon, je peux déjà faire couler deux blocs tranquille. Je me demande si je peux pas en faire encore plus. Non, j'avais tout rassemblé. Et on va aller voir notre piège. Ah oui, alors
Oh, j'avais peut-être dit, mais comme j'ai pas regardé le dernier épisode avant de refaire celui-ci et que ça faisait très longtemps entre les celui-ci et le dernier, il y a bien effectivement des poulpes qui popperont. Je ne sais pas pourquoi ils popent pas aussi facilement que ça. Oh, l'eau est magnifique, hein. Rien qu'en médium, c'est beau, hein. Oui, le médium, c'est ce qu'il faut. Voilà. Même en fast, tout ça, c'est. Je suis à 19 FPS, 17. Bon, c'est pas la folie, je verrai sur la vidéo. C'est une vidéo d'essai, hein. On n'attendait rien de particulier, de toute façon. Bah, de toute façon, je joue toujours à la cool, donc je n'attends rien moi-même de particulier de mes vidéos. Hop, on peut en refaire encore là. Et on va déjà remettre ça. Alors, c'est ici. Donc, glowstone, j'en ai déjà 3. Obsidienne, j'en ai une. Oui, forcément, ça va pas vite. Tout ça, hop. Si, j'avais déjà du poisson, je me disais bien que j'en avais. Est-ce que je peux condenser du poisson? C'est une bonne question. Non. Alors bah, je peux faire de la melonade par contre. Hop, melon. Alors attendez voir, j'ai un petit doute sur... Non, j'ai pas de sac, hein. Faudra que j'en fasse. J'ai de quoi faire des sacs normalement. Bon, après j'ai tout ce qu'il faut, mais... melonade, j'ai encore ça. Oui, il faut que j'en fasse. Donc... conclusion. Est-ce que je peux les mettre par 6? Non, par 4. Donc, il m'en faut encore. Et ça manque de fuel par ici. Voilà. Alors, bloc. Commence à en avoir pas mal, hein. Alors par contre on va continuer puisqu'on est dans notre village tranquille de blocs et il nous en reste combien? 12, je peux faire encore un bloc et 3 lingots j'imagine. Ouais, perdu. Ouais, ça lague un tout petit peu, mais pour une activité comme ça je pourrais laisser dans le village, mais soyons clairs, quand je suis au dehors je ne sais pas si je vais essayer là, pendant qu'on est la nuit, de retoucher la luminosité. Parce que ça m'intrigue quand même vachement ce truc. Après, je peux simplement enlever le mode des shaders. Hein. J'imagine que ça remettrait tout en l'état. Alors voyons voir. On y retourne. Vidéo settings. Moody. J'ai eu l'impression quand même c'était un peu plus. Pas évident. Où est-ce qu'il fait bien sombre? Ben là, en descendant. Enfin, bien son nom, pas vraiment en fait. Alors, on va reprendre un petit peu ça. On va descendre, c'est plus simple. Parce que là, j'aurais pas un peu de. Non, ce sera pas suffisant. Oh, il m'a fait peur. Je l'ai même pas entendu. Enfin bon, il a dû faire du splotch. Bon, alors là, c'est pas trop parlant. Allez savoir, je vais prendre une. Il n'y a plus qu'un bloc de terre. Non, aucune n'est ouverte. On va en ouvrir une. On va mettre ben, au maximum dans l'autre sens, c'est plus simple. Aucune différence, hein. Aucune différence. Bon, ben, je ne sais pas. Franchement, aucune idée. Je vais laisser à 33. C'est pas déplaisant comme ça. C'est suffisamment sombre. Je crois vraiment que le Chocapic est décidément celui que je préfère. Il n'y a rien là-dedans. Non.
Et je coupe. Bon, désolé pour les innombrables interruptions, indépendantes de ma volonté. Bon, bah c'est tout, hein, c'est un épisode foireux, bon, comme les derniers, mais je ne peux pas faire autrement. Je comptais me lever encore plus tôt, et ça n'a pas été possible. Alors voilà, je me remets ici dans la place. Bon, je vais laisser ouvert, c'est plus simple. Alors ensuite, il faut que je balance 18. Voyons voir. Normalement, ça fait tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faudra 6. Là, il y en a déjà à toc. Hein. Donc si j'en mets 6, il faudra que j'en fasse cuire encore à côté. 8, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, on peut mettre ici. Et puis le reste, on verra. Alors, slime ball ici. Aïe, j'ai plus de place pour les slime balls. Oui, peut-être ça, avec les animaux. Mince. Oh, j'ai déjà plus de place. J'ai rempli tout ça. Misère, misère, misère. Des briques, du charcoal, trappe d'or. Eh ben, je ne sais pas. J'ai plus de place. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il va falloir que je commence à prendre des choses sur moi. Là, franchement, est-ce que je peux mettre encore un coffre? C'est compliqué, il faudrait que je fasse sauter la fenêtre. Mais moi, j'aime bien avoir une petite vue sur mon champ, là. Je peux en mettre au plafond, oui, ça, c'est sûr, je peux. Alors, d'abord, une première chose, hop. Voilà, on va ranger ça. Ça va faire très chargé. Si j'en mets un là, j'aurai pas trop accès à ça. Je pourrais en mettre un là au-dessus. Je pourrais en mettre un. Ah bah non, là il y a mes. Là. Je peux juste en mettre un là. Je suis pas certain que j'arrive à en mettre un là. Alors là, non. Il faut que j'aille voir si j'ai des coffres de rangement là-bas. Dans l'autre bâtiment. Donc là, il y a un petit coffre. Un petit coffre ici, mais pour l'enchantement. Donc je n'ai pas de coffre en rab. Bon, et eh ben on va voir ça. Alors du bois j'en ai, ça c'est pas un souci. Hop, on va essayer avec un coffre. Et ben ça va pas. Ce sera pas trop grave. Alors on va en mettre un là. Il s'ouvre pas. Donc par contre je peux en passer par des dalles en bois. Ça c'est pas super compliqué. Je me demande même si j'en ai pas encore. Hop, on va voir ça. Est-ce que j'ai des dalles en bois? Non, forcément. Pressure plate. Non, ça ne me va pas. Bon, bah faisons des dalles en bois, écoutez. Alors, faisons des dalles en bois qui vont me rester sur les bras après, forcément. On va faire une là.
Moi, j'aurais vraiment pensé qu'il y ait des escaliers. Non, non, c'est un, il y a un doublage. Un faux plafond. Faut dire, il est pas si faux que ça, puisqu'il était plein jusqu'alors. Voilà. Ouais, j'aurais bien mis des... Non, bah tant pis, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc là, j'ai de la place. Et qu'est-ce que je vais mettre là? Juste là au-dessus. Là, ça pourrait être les métaux. Ouais, mais j'ai de la place et de la place gâchée après. Ça, je pourrais le mettre là à côté de. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'aimerais bien libérer ça parce que celui-là, il est très moche. Le déplacer là, pourquoi pas. Mais ça ne m'arrangera pas le fait que j'ai plus de place là. Non, je ne sais pas du tout. Bon, bah écoutez, tant que j'ai pas d'idée, on verra. Là, on est à 36, 18, donc c'est pareil, il m'en faut 6. Et ça va, j'ai encore un petit peu de lave, je suis confortable. Alors donc, 19, tiens, 18, je peux faire 2 lingots. Je vais le faire. Je vais voir si par hasard j'ai plein de pousses d'arbres. Plein non, j'en ai. Je vais déjà mettre un. Comment dire? Je vais déjà mettre un charbon et on verra pour le reste. Boum. Je ne sais pas quoi jeter. J'ai plein de ficelles, j'en ai presque en trop. Le skeleton skull, vous savez quoi? Non. Par contre, on pourrait tout simplement. Voilà, je peux continuer, je vais me réserver cette place-là. On va le mettre là. Voilà. C'est tout bête. Rien que ça. J'ai viré ça. La chaise. Pourquoi j'ai une chaise? Sincèrement, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai cette chaise là. Là, là. Alors, donc du coup, ça. J'ai bien envie de le prendre, mais. Je ne sais pas trop comment je vais faire mon coup. Non, bah j'ai pas de solution. Si vous avez des suggestions, ma communauté, mon énorme communauté d'utilisateurs, si des suggestions concernant. Je vais mettre un coffre là. Il serait pendu comme une nouille, je vois pas l'intérêt. Non, je pourrais en mettre un au-dessus là, mais on verrait plus la fenêtre. Je pourrais en mettre un là. Après tout, cette zone-là n'est pas vraiment utilisée. Après, il faut que je regarde. Je pense que c'est des. Attendez, à la limite, on a un coffre qui ne sert encore à rien. On va l'utiliser pour tester où est-ce qu'on peut le mettre ailleurs. Si je le mets là. Non, là c'est du dur. Enfin, je peux remplacer de même par. Ah non, 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 non. Si je remplace là, ça risque de se voir. On va voir ce qu'il y a derrière. Normalement, c'est un bloc plein, donc c'est un bloc de planche. Ah si, je peux mettre un escalier. Si je mets un escalier comme ça. Hop, en le mettant contre ici, ça peut le faire. Hein. D'accord, bon, à savoir. Hop. Bon, en attendant, j'ai plus rien proposé maintenant. Chier. Alors, déjà, on va remettre celui-là ici. On va en faire un autre. Je vais arrêter de me. Il manque une planche, vous y croyez ça? Eh ben, je sais ce que je vais faire. Hop. Bing, bing, voilà, j'ai récupéré une planche. Non, parce que ça suffit quoi. Enfin, on va faire un grand coffre. Et je vais mettre autre chose dedans. Je sais pas quoi, mais je vais mettre des trucs, ça c'est sûr. Alors, je pourrais mettre, je sais pas, tout ce qui est bois, exprès, et tout le reste en vrac. Ça me plairait bien. Voilà, je savais que j'avais un raccourci pour. Faire directement tout ça, voilà tout ce qui est en bois. Ça aussi d'ailleurs, quelque part ça aussi. Est-ce que j'ai du bois condensé? Non, donc c'est très bien. Donc on va déposer en échange. Ah bah non, la chaise du coup, bah voilà, tout va aller là. Alors, bing, bing. Voilà.
C'est mieux. Donc là, c'est du bois. On va faire une petite étiquette. Bah, d'ailleurs, j'ai besoin de rien du tout. Normalement, les planches, les planches, les planches, j'en ai plus. Ça devrait le faire. Voilà, 6. On va le faire comme ça. On va faire une petite étiquette en bois. Et on va mettre une belle bûche bien visible. Tiens, celle-ci. J'en ai plein. Voilà. Tout ça, c'est du bois. Check. Comme ça, on est tranquille. Donc du coup, le bois là, il faut l'enlever. On va mettre un autre élément représentatif. Ben, je pense que de la cobble, ce serait très bien. Pour dire que ce sont d'autres blocs. Boum. Voilà. Et puis du coup, là, on va mettre ce bloc. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? On a du bronze, on a de nouveau 48. Donc, on va faire à peu près le même principe que tout à l'heure. Si je mets tout de suite à fondre, non, ça va peut-être être un petit peu juste. On va attendre. Voilà, donc là, c'est vraiment épisode de remise en route. Le temps que ça fonde, on va faire un tour. Déjà dans l'eau. Il y a des eaux qui sont plus belles que ça avec d'autres, mais c'est pas trop grave. Ah, encore des bottes en cuir. Bon, et puis plein de poissons. Je suis même pas sûr qu'il faille vraiment tout ramasser comme ça parce que ça fait beaucoup. Alors, voyons voir. Encore. Donc, je peux faire largement encore deux blocs. Puis après, on verra. J'ai déjà rangé ça. Bah, le poisson, pour l'instant, on peut tout stocker tranquillement par là. Ça. Bon, on va le remettre là, mais. Ouais, c'est plutôt ça, hein. C'est pour réparer en fait ces trucs là. Voilà. Bon, le village est rudement tranquille. Je me demande bien ce que font les villageois. Je les entends pas. J'espère qu'ils vont bien. Je pense que j'irai leur rendre une petite visite un petit peu plus tard. Le temps déjà de voir 21. Je peux faire déjà 18, je peux lancer 2 blocs. Et je les entends quand même un petit peu s'agiter. Je vais aller les voir. J'aime bien de temps en temps les saluer. Je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Hop. Alors, il faudra que je songe à faire quelque chose de mieux que ça. Je pense que tout ce bois-là, enfin, je remplace par du... Peut-être même de la bûche, pourquoi pas. Non. Un toit en bûche vraiment à l'ancienne quand il n'y avait pas les escaliers. Je sais pas si vous avez souvenir de ça. Certains ont forcément souvenir de ça. Les premières versions de Minecraft. Hein. Il y a toujours le jeu de oui, moi j'ai joué à la version alpha, etc. Je monte mon zizi est plus vieux que le tien et plus fripé. Parce que là il s'agit de qui a joué le plus longtemps. Oui, non, mais on s'en fiche de ton zizi tout fripé. Hein. Tu le gardes dans ton pantalon avec son odeur de moisi. Tu gardes ton zizi, s'il te plaît, là où il est. Merci. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas joué aux toutes premières versions. Je n'en tire pas une honte absolue de ne pas avoir été un précurseur. J'ai pris ça en cours de route. J'ai connu la toute dernière bêta, il me semble. Mais j'ai surtout vraiment joué à partir de la 1.2. J'avais commencé d'ailleurs l'aventure solitaire très rapidement en mettant un Minecraft qui était en 1.2.5, et j'ai encore rejoué d'ailleurs en solo, j'ai réussi à refaire fonctionner ça, mais c'était très fort compliqué, je me disais est-ce que je refais un épisode dessus, c'était donc ma toute première série de survie solitaire modée, etc. Même principe que ça, hein, j'ai toujours eu ce principe-là de façon que j'ai reproduit, et il s'éclate là, hein. Il s'éclate à fond là. Bon, ils ont l'air d'être tous là quand même. Ok, bon, je vais pas les déranger. S'ils veulent faire un bébé à un moment donné, si quelqu'un meurt, bah, ils en refont un. Par contre, ça, franchement. Franchement, quoi. Enfin, je récolte des arbres.
Hein, donc là, ce sera plutôt du bois de chêne qui va m'intéresser. Et donc, ben, je peux déjà faire ça, effectivement. Et si je prends une hache, c'est beaucoup mieux. Et je vais prendre d'ailleurs la hache spéciale qui est, sauf erreur de ma part, ici. Voilà. Alors, donc, on va finir avec cette histoire de... Voilà, encore 3 lingots de bronze. Je peux déjà tout de suite mettre mon étain à chauffer. Ah, voilà. Du mal à cliquer, hein? Normalement tout est vide, je vérifie. Ouais, tout est vide. Ok. Alors, bah, les arbres, ça va être assez simple. On va laisser ensuite... on va mettre ça comme ça. Non, comme ça. Voilà. Alors l'idéal serait quand même que j'ai une pousse là tout de suite. Ça m'évitera d'aller en rechercher. Alors j'aurais pu mettre encore le Better Grass and Leaves mode, mais ça surcharge bien au niveau des ressources mon petit ordinateur vieillissant. C'est vrai que j'aime bien, hein, franchement c'est beau. Ça et les shaders, je peux vous dire que c'est remarquable. Je vous montrerai une fois comme ça entre deux. Bon, là non, parce qu'il faut recharger le jeu, faire une coupure, assembler les vidéos et il n'y a pas moyen quoi. Hein. Là, je suis à la cool ce matin, ce qui est rarissime dans ma vie et j'ai envie de rester à la cool. Alors, hop, toi aussi, viens là, que je t'y reprenne plus. Pareil, on va quand même essayer d'avoir une pousse d'avance pour le prochain arbre. Alors. Je suis en train de me faire mal au cou à casser tous ces feuillages. Il faut dire que depuis le temps, je ne suis plus aussi vif qu'avant. Et je commence à avoir probablement quelques rhumatismes. Ça devient difficile de faire ces gestes-là. Il faudrait peut-être effectivement que je songe à fonder une famille pour que mes enfants puissent reprendre le flambeau et faire ces tâches essentielles à la survie de ce monde. De Minecraftia. Il faudrait déjà que je trouve femme pour fonder une famille. Et pour l'instant, eh bien, je ne fais que parler à des amis imaginaires que je n'ai jamais trouvé d'autres personnes que moi, mis à part les zombies, avec lesquels je n'ai nulle envie de m'acoquiner. Je doute même que nous partagions les mêmes orientations sexuelles, hein, pour être franc. Et d'ailleurs, je ne désire pas aborder ce sujet avec eux. Je doute carrément du fait à la base que l'on puisse dialoguer avec eux. Alors, leur vocabulaire étant très très restreint, à base de groumph et de... C'est assez compliqué et je n'ai pas encore compris toutes les nuances syntaxiques de leur verbiage. Alors, j'ai beaucoup de place. Ouais, voilà, là j'ai de la place. Alors, et ben voilà, si j'ai des pousses en trop, ça va servir à cuire le reste. Boum. Et ouais, je pense que l'étain doit être. Ouais, cuit. J'en ai 16. Et ben allons-y. Donc, un bloc, ça fait 9. Et ensuite, 8 lingots. Voilà, c'est passionnant. Je vais prendre les petites pousses qui tombent. J'avais pas vu une pousse qui tombait? Non. On va mettre le fer à cuire. Oh, ce sera pas le seul. Je commence à avoir le coup de main pour la temporisation. Alors j'ai 23. Je vais quand même vérifier que je suis pas en train de... Non, c'est bon, je vais pas avoir le temps de récupérer tout. Normalement c'est le dernier. Quoi, il y en a déjà plus? 7? Ah oui, d'accord. Bon.
Alors, ça je range, j'en ai 23. 23 c'est pas assez, hein. Soyons clairs, je veux faire un toit. J'en ai pour plus que ça. Oui, j'aurais bien un toit en bûche, hein, entièrement en bûche. Donc, soyons clairs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On rajoute 2 parce que ça fait pas de chaque côté, ça fait 11. Et donc, il me faut au moins 1, 2, 3. Donc, 11, bah, déjà fois 2 parce que c'est symétrique. Donc 11 x 3, 33, x 2, 66. Et puis après, 1, 2, je crois 3 ou 4. 44. 36, 44. Oui, bah, il me faut 110 bûches, un truc comme ça. Hein. J'ai, je peux encore récolter, hein, soyons clairs. Il me faudrait des gros arbres. À la limite, là, je préférerais des gros arbres. Après, il n'y en a pas. Je crois pas que ce soit le bois qui m'intéresse. Hein. Bon, on verra. Et je vais aussi aller faire un tour du côté des cultures pour voir si je peux enfin avancer un petit peu cette pierre lumineuse, cette obsidienne. Ça dit, j'ai déjà 29 bûches. Hein, c'est pas énorme, mais ça avance, hein, mine de rien. C'est sûr qu'avec cette hache-là, c'est facile. Alors là, très bien, on a déjà un. Est-ce que j'ai eu. Une graine, tant pis. Bon, je ne perdrai jamais, mais j'avance pas. Et là, il n'y a rien. Ok, bon. Je pense pas que le petit poulet, non, à mon avis, il doit même être mort. Hein. Je désespère de... Ouais, il pondra plus. Poulet à charbon. J'aimais bien, mais... Il doit être quelque part en dessous. Voilà, y en a un qui s'est énervé. Hop, je vais récupérer les œufs. Oh là, oh là, oh là, oh là, faut pas s'énerver comme ça. Et je vais retourner à ma forge pour finir cette longue épopée. Il y a du lag hein, quand même, hein. Les shaders c'est pas fluide. Hein. Alors là il y en a 36, donc il y en a encore un à mettre. Ah oui, je sais ce qui va pas. Vous allez voir un changement de résolution en cours de route. Ah mince. Eh ben, je vais remettre en plein écran. Je sais pas ce que ça va faire sur la vidéo. C'est la première fois que ça m'arrive. Du plein écran de Minecraft, je suis repassé en fenêtré.